Les créateurs de Cobra Kai, dont la cinquième saison sera diffusée en fin d'année, ont ouvert la porte à une apparition dans la série d'Hilary Swank, qui avait tenu le rôle principal du film spin-off, Miss Karate Kid. Et si après les apparitions de personnages clés des trois films Karate Kid, la série Cobra Kai accueillait prochainement l'héroïne du film spin-off Miss Karate Kid ? Espérée par bon nombre de fans de la licence, la présence d'Hilary Swank dans la cinquième saison du show Netflix a été évoquée par le co-créateur du programme, Aiden Schlossberg. Sorti en 1994, Miss Karate Kid, réalisé par Christopher Kean, Young Guns, voit Maître Miyagi accueillir un nouveau disciple au sein de son dojo, le Miyagodo, Julie Pierce, une orpheline en pleine rébellion, victime de harcèlement scolaire. Présent au panel d'une convention organisée par nos confrères américains de Deadline, le scénariste a ainsi ouvert la porte à une apparition de Julie Pierce, le personnage incarné par l'actrice doublement oscarisée, laissant même entendre que son caméo pourrait avoir lieu dès la prochaine saison, dont le tournage s'est achevé il y a quelques semaines. Sa présence à ce panel a également permis à Aiden Schlossberg de revenir sur les précédentes saisons, et plus particulièrement sur la quatrième qui avait vu Terry Silver, l'antagoniste de Karate Kid 3, faire son grand retour. Un immense plaisir pour le scénariste d'avoir fait revenir ce personnage comparable à un méchant de James Bond. La cinquième saison de Cobra Kai sera diffusée en fin d'année sur Netflix. Les quatre premières sont à retrouver dès à présent en exclusivité sur la plateforme.